ya monene ezali ya kokangama bato bakosa bino te baloba bilobela te batika biso tosala musala ya Kinshasa bopeto na kati ya Kinshasa oya boyi ake nosala mboka na ye esika ya liki voilà gouverneur zando ezali d'abord ya kokangama na tina ya confinement tokangi zando mais yango na confinement wana toko profiter et ko continuer ko kangama na ko continuer ti kino to ko sala misala soki to sala misala te zando pe e ko fungwa ma te e bongi to sala misala to bongisa oya biso mboka baninga ba mungisa ka oya bango mboka bongo wa biso to ko zela banani ba ya ko bongisa na biso ben comme d'habitude nous avons fait le vice-ministre de la santé ainsi que le professeur Mouyembe nous ont donné la situation épidémiologique de tout le pays. Ensuite, nous avons examiné la situation liée au déconfinement de tout le pays et surtout de celui de la commune de la Gombe. Mais le Premier ministre nous a demandé d'approfondir encore la question avec notamment la FEC qui a des éléments à nous donner. Et je pense que dans les jours qui viennent, dans très peu de temps, on va pouvoir déconfiner à condition de respecter les gestes barrières. Je pense que dans l'avenir, les Congolais, les Kinois vont devoir vivre avec cette pandémie-là. Condition de garder les masques, de porter obligatoirement leurs masques, de laver régulièrement le main, de respecter la distanciation sociale, ainsi de suite. Tous les gestes, toutes les mesures édictées par les chefs d'État restent donc d'application, ainsi que toutes les autres mesures aussi, édictées par moi-même, ainsi que le Premier ministre. Pour le déconfinement de la commune de la Gombe, de la ville de Kinshasa, c'est une question de temps, de quelques jours, parce que d'ici 3, 4, 5 jours, on va pouvoir donc donner la bonne nouvelle. Parce que nous savons que les Kinois attendent cette nouvelle-là. Et l'économie était au plus mal. Et je pense que depuis que cette pandémie est arrivée chez nous au Congo, la plus grande mesure que nous avons prise, c'est d'ailleurs le meilleur, qui est des mesures qui ont fait aussi du chemin ailleurs, notamment en Chine. Là-bas, les gens sont disciplinés, ils ont respecté les mesures barrières. C'est ce que nous devons faire ici, chez nous. Donc, apprendre à vivre avec la pandémie et surtout respecter les gestes barrières. C'est le plus important. Partout, à travers les écoles, les églises, les entreprises, partout, les marchés, nous devons absolument respecter les gestes barrières. Bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs, amis et fidèles du micro de Chouga Mungulu. Je vous dis bonsoir. Voilà, Nena Loba Kaka, vous chez vous, derrière les écrans et nous dans les studios de Congo Synthèse et Paya Yemoko, Boss Deo. Voilà. Merci Nenge Boza et Bélé au rendez-vous. Pour boire Bolanda Bisso, émission Yalelo, Kitoko Makasi, sujet Ndeka Tolobara, pour l'intérêt ya Banamboka. Je ne suis pas seul sur le plateau. Ndenge n'a décidé Lelo na Bandarobengaye, le finisseur, M. Christian Kabasele, penseur libre, n'a bengé le finisseur. Pourquoi? Parce que Ayaka toujours na Moyasuka. Parce que conclusion ou développement ou réflexion à Souka, Nakati, il y a bah, émission Nabiso, il y a au micro de Chouga Mungulu. Donc voilà, j'ai dit déjà bonsoir à mon invité, bonsoir Christian Kabasele. Bonsoir Chouga Mungulu, bonsoir au micro de Chouga Mungulu, bonsoir à nos téléspectateurs, à nos internautes. Nous revoici les Loli Susupo, Tosolola, toujours pour le gain. Ou la cause de la RDC, tous allés présents, te répondre dans un micro au Chouga Mungulu, et nous voici présents. Merci Christian Kabasele. Dans le but de, à partir à l'élo, nous avons bien les finisseurs. Pourquoi? Parce que ce qui m'outoyait, actualité, Mogoza Lokuta, il y a toujours un bang.
aux alarana biso poto oyeba ko finir l'okuta ou bien désorientation il y a fake news et puis ceux qui peuvent news ezay malamu oyaka peka ko finir na intervention na yo pour confirmer ou bien oyako enrichir ou nourrir news wana o ezana biso ya mona lobby te yo penosa les finisseurs quoi. Non, voilà. Merci na mondo ya biso les éloges toyambarango pena ming ming ite mais à savoir merci beaucoup déjà mais ezali kozala finisseur te na koyambarango mais ezali justement ko vivre dans le monde ya rationalité, monde ya logique, monde ya tout droit. Voilà un peu yango to ya rapoto sunga o ya salina se to matie likolo ya beti muketo expliquer ko beti mabe o pe photo améliorer, to améliorer donc c'est justement car on a concours ya bien-être na biso nyoso en tout cas rien de personnel, rien na forme et attaque, voilà un peu. Merci Christian Kabasele. Donc aujourd'hui 19 jeudi de juin 2020 toyé awa au micro de Sugar Mungulu pour toi ko solo la solo ya o ezali ko sala kokoso ezali ko sala bitumba batumi sato esi ba kufina Kinshasa li solo ya Zando hein, avec son excellence monsieur Gentilingo Bilambaka toyé ko solo la et longo na yo pe longo na ba batoazali ko landa biso to mekana nu ko tala qu'est-ce qui ne va pas. Et les gens ne comprennent pas quoi ou bisikani ni kokoso ezali tomeka ko solo là ensemble en tout cas avec notre téléspectateur. Voilà, pour commencer, je vais demander à la régie de nous balancer une image. Il y a gouverneur Nengazo Olobela pour na confinement to yebibi somoko, ça va faire près de 2 mois déjà passé. La ville de Gombe ezali confinée ti leloyo une commune Nakati a 24 communes à Kinshasa, Gombeti, Lelo, dernièrement, et Sali ba mort, ba tuba bimi na ba vendeur, ya ba wenze, ba bimi na balabala, ba sali, ba ye ko revendiquer, qu'il faut ba zonga, Gombe fwe fungwama, Zandu fwe fungwama, et bomi si 3 personnes. Alors, le gouverneur de la ville était forcé à bimala la média pour appeler ça un message que nous allons suivre ensemble avec vous. Et on se retrouve tout de suite après cette élément. Ben, comme d'habitude, nous avons fait le vice-ministre de la Santé ainsi que le professeur Mouyembe. Nous ont donné la situation épidémiologique de tout le pays. Ensuite, nous avons examiné la situation liée au déconfinement de tout le pays et surtout de celui de la commune de la Gombe. Mais le Premier ministre nous a demandé d'approfondir encore la question avec notamment la FEC qui a des éléments à nous donner. Et je pense que dans les jours qui viennent, dans très peu de temps, on va pouvoir déconfiner à condition de respecter les gestes barrières. Je pense que dans l'avenir, les Congolais, les Kinois vont devoir vivre avec cette pandémie-là. Conditions de garder les masques, de porter obligatoirement leurs masques, de laver régulièrement le main, de respecter la distanciation sociale, ainsi de suite. Tous les gestes, toutes les mesures édictées par les chefs d'État restent donc d'application, ainsi que toutes les autres mesures aussi édictées par moi-même ainsi que le Premier ministre. Pour le déconfinement de la commune de la Gombe, de la ville de Kinshasa, c'est une question de temps. Une question de temps, de quelques jours, parce que d'ici 3, 4, 5 jours, on va pouvoir donc donner la bonne nouvelle. Parce que nous savons que les Kinois attendent cette nouvelle-là. Et l'économie était au plus mal. Et je pense que depuis que cette pandémie est arrivé chez nous au Congo, la plus grande mesure que nous avons prise, c'est d'ailleurs le meilleur, des mesures qui ont fait aussi du chemin ailleurs, notamment en Chine. Là-bas, les gens sont disciplinés, ils ont respecté les mesures barrières, c'est ce que nous devons faire ici chez nous. Donc, apprendre à vivre avec la pandémie et surtout respecter les gestes barrières. C'est le plus important. Partout, à travers les écoles,
les églises, les entreprises, partout, les marchés. Nous devons absolument respecter les gestes. Pour connaître toute l'actualité de la ville, du gouvernorat de Kinshasa, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les notifications de toutes nos vidéos mises en ligne. Appuyez sur la petite cloche à droite. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et ou pas. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes de retour au studio, au micro de Chouga Mungulu. Christian Kabasele, Tolandi a gouverneur Azogo annoncé à bientôt la réouverture. Il y a commune, il y a Gombe. Hein? Déconfinement, il y a commune à Gombe. Mais, Kotal, gouverneur Nengazo Loba. Maloba na yo, Christian Kabasele, Ezali Nini par rapport. Il y a message au gouverneur APC, il y a des confinements. Quel est, à ton avis, est-ce qu'il est temps de déconfiner Gombe? Il faut qu'on paie sans sous moi tango. Quels sont les impacts sociaux, économiques, hein? Bah, ça l'ango siko ou bah, ça l'ango après. Lecture dans les années par rapport à l'image. Et l'on va liboso, l'élo n'a sepe le mingi na discours ya. Il y a gouverneur de la ville parce qu'azongi motumuke parce sur hôtel na wa liboso gouverneur alobi soko boyi sala mokili na yo. Nous allons y arriver. Il y a un contraste ya makasi mais to sepeli quand même la discours ami ben là on voit quand même un papa responsable qui vient parler à ses enfants parce que tant on a gouverneur de la ville ça dit tu es le parent le papa de la ville de Kinshasa donc bananyo soit Kinshasa bazali banana yo mais problème il y a confinement comme on le dit si bien ici confinement oyo covid oyé na makambo ebele hein covid et saliba. Bah, dégâts makasi, même en Europe, les gens ont été incapables à maîtriser bah, mesures barrières, bah, mesures de précaution pour éviter que propagation à Covid et salam. En tout cas, on ne peut pas s'en prendre là-bas à Kinshasa. Tu comprends un peu? Donc, ça a été fou en Europe. Bah, on ne peut pas s'en prendre là-bas. On l'a né, ni, ni, donc, dans le sens où bah, ça a été fou. Comptabilité, non, ça a été fou en Europe, très fou en Europe. Et ça m'étonne que ça ne soit pas autant fou aussi en Afrique, vous comprenez un peu. Mais moi, par exemple, la façon dont nous vivons, notre culture nous empêche, vous comprenez, Ngaï, automatiquement, il y a que quand on a la mesure barrière parce qu'il est impossible, quand on a le pas au moment où il y a 40, tu as WC Moko, vous comprenez, vous leur demandez de se confiner. Ils vont le faire comment? Parce que la toilette sera le point même, il y a contamination, vous comprenez un peu. Mais bon. Impact social, pour nous, l'impact social, les alliés, et cause à la moins ma casse, parce que la petite et moyenne entreprise de la RDC, ce sont les gens qui vont dans le marché. Parce que l'État n'a pas encore créé vraiment cette bonne séparation des classes sociales. Vous comprenez un peu? Mais cette économie qui est soutenue, ou qui soutient même l'économie, parce que ce sont elles qui sont vraiment la classe que nous appelons la petite et moyenne entreprise. Donc, Kokanga Wenzona pour si longtemps, hein, c'est un manque à gagner, pas seulement pour les individus congolais qui se débrouillent, parce qu'il faut qu'on le dise. Mais Christian Kabasele, c'est Nakoro Neto Banangé, na jump, moi place Wana, Kokanga Wenzé, ah, on a poté Tokangi ba Wenzit. On a fermé. Les Wenze chez nous et les Wenze en Europe, c'est deux choses qui diffèrent. Vous comprenez un peu? Ici, on n'a pas fermé les marchés. Parce que Tesco a ouvert, Asda a été ouvert. Dans le grand superstore qui devait fournir la nourriture aux individus, était ouvert. Vous comprenez un peu? Nakishasa, grand supermarché. Maintenant, c'est quoi? C'est le modèle de vie. Le Congolais vit dans la débrouillardise. Tu comprends un peu? Donc, c'est-à-dire que. Cette petite et moyenne entreprise congolaise, c'est la débrouillardise. Les gens qui vont vers les marchés, les gens qui vont dans les marchés, qui payent les taxes, justement. Il y a beaucoup d'affaires dans ce machin de Zandoula. Rappelle-toi, il y a une maman qui percevait les frais, qui a été tuée aux Andes pour question d'intérêt. Il y a une maman qui était militaire, vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'intérêt dans ce marché, mais Marapé Batou et Bomipé Batou. Alors, je me dis, ce marché-là est vraiment le point. Et puis, l'autre problème, c'est lequel? C'est-à-dire que tout est convergé vers un point. Vous comprenez un peu? Donc, tout Kinshasa vient vers Zando. Et c'est ce qui fait même, quand le Zando est fermé à ce point, ça pose un souci. Donc, il y a un grand déficit en termes, il y a revenu à l'État, en termes, il y a vécu, il y a Congolais au quotidien. Donc, ça veut dire, il y a chamboulement total. Vous comprenez? Donc, qui veut dire donc, que... Donc, si on a l'indio bien, Christian Kabasele, le Ongweb, ça dit que, Kokangama ya Zando, et le Komo très, très négatif, on a... comment je veux dire, économie en Boka. Il y a la ville de Kinshasa en particulier. C'est un manque à gagner pour l'État. Banque.
C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner pour le gouvernement en termes de taxes. Mm-hmm. C'est un manque à gagner dans le terme il y a population, parce que c'est de là où bazo kokako survivre, parce que tout ça on a survi. L'État zo bundana ne peut pas la comment à quoi aménager bah mécanisme sous ce que Congolais s'est retrouvé de la façon sous, mais dans l'autre temps une bonne portion des Congolais vivent de ce marché là. Merci. Potol les canettes na confinement, Christian Kassé. Donc vous pensez, si je vous saisis bien, vous pensez qu'il faut tocha l'économie avant il y a protection, il y a santé à Batou, il y a vie à Batou. Parce que oui, tout est centralisé dans la ville de Kinshasa. Malheureusement, alors qu'il fallait pas que ce soit comme ça. Malheureusement, tout est centralisé dans la ville de Kinshasa. Mais si quoi, ce qui Batou malade ça vraiment la Kinshasa. Est-ce que déjà na étape auto komi na ébité équipe il y a riposte, il y a COVID-19. Bazo ko confirmer bisonini, baza na maîtrise ya maladie na kati ya Kinshasa, baza na maîtrise ya parce que ba confiner ki kaka Gombe hein, pour tout ça là honnête vraiment. Si go ba ko déconfiner Gombe. Post déconfinement. Comment ils vont s'y prendre pour na koyeba ko maîtriser pour na koyeba ko qu'on contrôler cette pandémie au ébétibisson à Moukili Mobima. Bon, je dirais ceci, question, non, ils allaient très bien, mais l'autre, parce que ton autre, il y a l'économie, mais survie à Batou, parce que c'est pas Fungoli. Selon le droit international humain, c'est-à-dire la protection de la vie, la vie est sacrée, même dans les droits, le droit congolais, hein, la vie est sacrée. Et ils allaient vraiment sans objection, il faut qu'on protège la vie humaine. Mais nous voyons aussi, on a pas tout le monde que oui, c'est vrai, il fallait se confiner parce que nous copions un peu la majorité. Parce que, OSO et la vision à Congo, ESA, OEO et Bandi déjà Koto, ils ont été un peu en avance, on a été un tout petit peu en retard, qui veut dire que tout ça, le roi, tout ça, la relais. Mais qui veut dire que, nous avons vu quand même que. Il y a possibilité à co-organiser société na Némoussous de manière à ce que bien que protégé, mais il y a moyen toujours de faire les marchés. Ne fût-ce que pour réduire l'intensité, on peut-être à 60% au lieu de 100%. Tu comprends un peu? On a vu tous, on allait dans les magasins, mais on respectait la distanciation. Ça veut dire que moi, distance à 1 mètre, 2 mètres. Maintenant, le plus gros problème, la question, il y a comment éviter Covid et se propager. Nous, les Congolais, nous sommes très indisciplinés. C'est-à-dire, on n'écoute absolument rien. Vous comprenez un peu. Pendant qu'il y a, des institutions adéquates aux Sabiso, ce qu'il faut par rapport à maladie, on a, les Congolais aussi, lui aussi, il crée son institution. Déjà, ils ne croient pas que maladie est là. Institution à côté, à Epena Maramnaïm, sauf que ça ne coûte rien. Vous pouvez arriver en ville, vous salez distanciation, et puis vous faites vos courses, vous comprenez un peu. Mais le problème, c'est lequel? Personne ne veut écouter personne. Mais pour dire seulement ce qui nous intéresse, nous ici, c'est-à-dire que il faudrait peut-être par hasard, Baluka, formule Moussous Yarosala que. Comme par exemple culture Nabiso Ezo permettre Biso vraiment te tokokako engager à 100% la mesure de précaution, les mesures barrières. Il est très difficile, comme je l'ai expliqué en tout début ici, parce que quoi façon Nabiso a convivre notre modèle de transport, notre vécu à domicile, la façon dont nous corroborons dans les quartiers, il est complètement difficile d'isoler les gens de manière à ce que à protéger. Mais par ailleurs, j'aurais peut-être voulu insister dans la formule à dépistage, tu comprends un peu, Le dépistage serait une façon un peu plus, encore plus technique. Elle n'a plus d'avantage à détecter bato bana maladie pour nako soustraire bambo. Mais n'a pas tout à dépistage koutou et simbité vraiment net. Bisson Angleterre à place aux à Londres et simbité. Et vous voulez imposer ça à la Kinshasa? Non, c'est à dire en Europe ça n'a pas marché simplement parce que la maladie est tombée subitement ici. Ça leur a donné un petit retard, hein. Pareil, il faut se rattraper, mais au Congo. Non, mais tu veux voir comment est-ce que monter, il y a des chiffres, Zahir Okende. On a beaucoup de temps aujourd'hui, nous, c'est-à-dire qu'on a eu assez de temps. Hein? Mais est-ce qu'on a le matériel, Christian Kabassa? Non, aujourd'hui, le matériel est disposé. Hein? Le matériel est disposé. Non, le matériel est là. On a aussi un grand stock d'un gros lot. Docteur Eteni Longondo a expliqué déjà. On a un gros lot de chloroquine, on a machin. Non, pour moi. Je veux plus. Mais il faut qu'on se focalise dans le traitement que dans la. Non, moi je dirais plus, il faudrait plus focaliser beaucoup plus d'énergie dans le dépistage et le traitement. Tu comprends? Parce que les mesures barrières, il serait très difficile parce qu'on a déjà confiné les gens 3 mois, les gens sont déjà étouffés, suffoqués. Donc à la première occasion, ça la retour, la brutalité, la affaire, n'avons pas qu'un aidant, qu'on careless.
hein, bah qu'on soit mouké na santé na bango bah qu'on est plus hein, na tendance à retard là na nous to perdre bah mongo 3 mois yango to koti mongo te, donc il veut dire maintenant il faut l'état à la maca, c'est plus sur le dépistage et justement. Ok, donc si je comprends bien, pour nous résumer, pour tous les cas na déconfinement y a Gombe Christian Kabassele, donc ça veut dire que to moni les loyo et permettre biso to mona bah faille il y a gouvernement na biso bah faille il y a enfin pas des failles mais fragilité je veux dire na niveau économique pour tous mona en bas pour tous nos pays mususu bah attaquer bah contrôler quand même hein, bien que mboka moroté na mukile contrôler pandémie ou à 100% mais quand même net samba poto yo fin ndaku bah futu mbongo et saliboye bon na Kinshasa c'est encore des choses il faut revoir en haut et ko ya peut-être dans 20 ans dans 30 ans au fin ndaku zo salaté l'été futu mbongo les abilo moro il faut ezalon na ba rêve hein, quand il s'agit du Congo mais par rapport il y a impact oyo confinement et ça là na économie il y a surtout il y a province il y a Kinshasa parce que là on parle de la ville de Kinshasa ils sont obligés hein, je pense que la ville le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka est obligé il y a qu'au libérer pour économie parce que vraiment économie ils ont au courant parce que tout est centralisé dans la ville de Kinshasa mais il est obligé mais tout en respectant tout en mettant quand même sur place la stratégie nini ou protéger la population, enfin, dans la mesure du possible. Quoi. Mais, vite fait, on va passer par là. Je suis dans mon goulot. Tout à fait. Le problème est allé très simple, parce qu'on ne peut pas aussi autant mettre l'économie plus avant que la santé. Mais il faudrait équilibrer, hein, effectivement. Et les mesures barrières. Et toutes les précautions qui viennent avec, et les traitements qui viennent avec le Covid, et en même temps, comment refaire que citoyen, parce qu'au Congo, ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi le vécu au quotidien du Congolais. Tu comprends un peu donc. Le Congolais qui vit du jour le jour. Qui vit dans la débrouillardie, c'est-à-dire qu'il faut balancer. Bilo, qu'on a mis en somme, pour retrouver équilibre, on a un juste milieu pour. L'État a l'affecté, bah tu peux pas couper en cascade, et puis le peuple a coûté en cascade. Justement, c'est la situation. Et si vous avez vu, il y a quelques compagnies qui ont, depuis la nuit du Covid, qui sont en train de travailler. Vous comprenez un peu. On a fait comme par exemple le télé-work, comme les gens veulent en français, hein, work at home, tout ça là, total IP, bah système sous, il y a net, il y a système, il y a delivery at home, internet, bilogo, il y a beaucoup de compagnies qui ont quand même fonctionné, qui ont payé les taxes, quelles que soient, comme les compagnies qui font les, qui sont dans les trucs de sport, toutes les compagnies, ils ont été sur l'internet, vous comprenez un peu. Donc, par ailleurs, en Congo, le système internet est encore un peu slow, qui fait que les gens ont raté, mais pourtant, si nous modernisons tout ce que nous voulons faire au Congo, nous serons à mesure, dans la prochaine crise, il y a moyen quand même que les gens fassent des affaires, bien que fermées, mais il faut taper taxe. Merci Christian Kabassele. En parlant de débrouillardisme, tout le monde n'est pas. Le Congolais en a ras-le-bol parce que à Vivarané au lobby, il se débrouille le jour, au quotidien, pour Azoamoa, Madé, Soabana, Azoali, Pabana. La ville a été barricadée pendant 2 mois maintenant, près de 3 mois, Tozo Kende, et le Congolais en a marre. Abima, il m'a balabala dernièrement, pour la qui sa mécontentement là, parce qu'il y a une activité zonga, poids en mesure, il y a au sommet la moine à Madessou, il y a au sommet la moine à Macaroni, Lipa, Mikate. Voilà, du moment où bon, ils ont contacté Congolais, c'est pris en charge, abîmé na balabala. Et Tomoni, Jean-Tiningo Bila, voilà, là vraiment, nous allons maintenant entrer dans le fond de notre programme de ce soir par rapport à la vérité na Zandu avec Jean-Tiningo Bila. Donc, peuple abîmé na Zandu, il y a eu 3 morts, Christian Kabassele, invité sur vous au courant, il y a eu 3 morts, il y a Kinoa et Koufi, pour na Koluka Kobima. Pour l'activité zone dans la ville de Kinshasa. Jean-Tiningo Bilambaka a lancé un message que nous allons demander à la régie de nous balancer et nous allons nous retrouver tout de suite après cet élément pour tout continuer à décortiquer au micro de Chouga Mungulu. Restez branchés. Alobi Boye, jusqu'à nouvel ordre, Zando, Yamunene, Ezali, Yako Kangama. Batubako Sabinote, Baloba, Bilobela, Te. Batika biso tosala musala ya Kinshasa popeto na kati ya Kinshasa. Oya boyi akino sala mboka na ye isika ya liki. Voilà, pour
Zando ezali d'abord yako kangama natina ya confinement tokangi zando mais yango na confinement wana toko profiter et ko continuer ko kangama na ko continuer ti kino to ko sala misala soki to sala misala te zando pe e ko fungama te e bongi to sala misala to bongisa oya biso mboka ba ninga ba bongisa oya bongo mboka bongo wa biso to ko zela banani ba ya bongisa na biso de retour au micro de Chouga Mungulu, voilà. Christian Kamassé est autour de la émission Oyo. Élément Oyo. Gentiningo Bilambaka, Azokoloba, Oya Lingite, Babuka, Zandu, enfin Bassissa, le temps Bassissa, Mnissala, Nabango, Akinou, Sala, Israël, Naye. Déjà, avant tout, Kotan Lakati, par rapport à le dire de son excellence, M. Gentiningo Bilambaka. Quelle est ta lecture, Christian? Donc, avec tout le respect que nous devons à nos autorités, les gens qui ont été élus ou désignés à nous gouverner, respect Nabango, mais je crois que ça a été un message très irresponsable de sa part, dans le sens où il faudrait par ailleurs croire comment est-ce qu'on a caressé au sens du poil. On comprend, on a un population, sachant que place où il y a Vandeleli, intérêt, ça m'a cassé à Kosaranangote, tu comprends? Donc, il n'y a pas que toi, parce que si on regarde en contexte, en réel, Gentiningo Bila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, vit très aisé chez lui, tu comprends un peu, hein? Asa très à l'aise, mais qu'on passe un message Nengwana brut, cru, n'a pas tout oyo, vivara place, wana, côte Sarabana, n'a pas de classe, n'a pas de wana. Mais la question est-ce que un message et pas le peuple congolais? Non, tant au lobby, parce que c'est qui réclame en soi? Vous comprenez un peu? Il y a deux conflits et à deux niveaux. Tu comprends un peu? Il y a un conflit d'intérêt entre Yéna, ministre, il y a vice-ministre, il y a l'intérieur. Et il y a de l'autre côté, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'intérêt que Bango Mibale sur état à Bavina Bango étant marché centre. Il y a bah revenu, tout y a bah faire la Bango, tu comprends un peu. Non, je crois que il y avait moyen une autre façon, hein. Il y a qu'au présenter dans nos projets au Yozanango, tu comprends, parce que ça pour ma communication. Ah ouais. Donc si le gouvernement voulait bien passer un tel message, et nous voyons la RDC un peu développée aujourd'hui, encore préparer maquette pour essayer, voilà le bijou que je vous ramène. Prenez patience, hein, vous comprenez un peu, à un certain moment, et c'est en ce moment-là que Koya n'a pas de discours, qui est un peu compatible, mais larguer message brut comme ça, ça va vraiment déranger. Mais si quoi, Christian Kavassé, on a une autre source d'information, hein, et Soki, le message, il y a son excellence Gentiningo Bilambaka, et ça qui lancé la population, na bana Kinshasa ou bana posa bateka na wendi, parce que bah vivara na tour du jour. Alors wana nengo lobby, je suis très d'accord avec toi que ça allait être irresponsable de la part du gouverneur à lancer mais ça. Mais moi j'ai na ba recherche, il y a au micro de Chuga Mungulo Tosali, tozui ba réponse que le son excellence monsieur Jacques Gentiningo Bilambaka azalaï s'adresser na ba kinois et kinoiste azalaï ko s'adresser na batu o bazo ko chakal po ye asala misala ya ko servir bana ya Kinshasa. D'ailleurs, pour preuve, tous un élément moko to balancer avant quelques mois avant, son excellence ayaki na wende batu wana kaka ya wende nde basenga ki ye passe le kina wende toilette ezalite bazali ko sala ba nyongo ba benga yongo inene soki nyongo inene ezoko leka kaka na terrasse wana place bazoko teka bazoko suba fulu kaka na nini yangwana bana ya Kinshasa basenga ki gouverneur abongisela bango zandwana et mais malheureusement monsieur Hassan na batu mususu o bazako bazana na contrôle ya la chose de l'état bazoko supporter bazoko empêcher son excellence Ngo Bilambaka aiba ko sala musala pour à répondre na batante ya la population kinoise yango ayebisa ki bango na ba risque et péril même que oya lingite musale sala mapoya servir bana Kinshasa akene ko sala Israël nae. Chuga, je conviens bien avec toi, sachant que Ezali ville de Kinshasa c'est une très grande ville, mais photo sur la makasi mingi ce serait très choquant, très effarouchant, les lots et à Koloba que
nos dirigeants défendent la cause du peuple. Vous comprenez un peu. Ce sont des marchés. Il y a eu un marché qui a été entrepris avant hier. Il y a un autre marché au Yayenango qui dit qu'il y a un conflit d'intérêts à ce point. Vous comprenez ce que je dis? Nous, le peuple, nous, la populace, hein, intérêt n'a pas Ali Penate, là où réside ben, intérêt n'a pas et comme tu le dis si bien que le message a été passé pour viser X. Mais tel que le message a été prononcé, ça a été largué dans l'air. Tu comprends un peu? Ça veut dire que ça pouvait toucher n'importe qui. Mon plus gros problème, c'est lequel? C'est d'essayer de voir comment est-ce que le gouvernorat ou le maire de la ville de Kinshasa, on comprend, hein, a capitalisé sur situation tout ça, il y a Covid, tu comprends un peu, pour voir comment est-ce que nous pouvons aménager des mécanismes, le marché centre-ville, une zone 1, pour commencer, tu comprends, parce qu'il ne faudrait pas toujours être là, attendre, bon, écoutez, tant que nous avons marché, pas Jamal, tant que nous avons marché, pas je ne sais pas qui, non, mais on doit apprendre à aider l'État à faire de l'argent. Tu comprends? Nous allons arriver à ce point-là. Justement, parce que là, c'est un conflit. Et pourtant, il y a bien de choses à faire, dépassant même les intérêts qui sont recherchés dans le cadre du marché. Comment est-ce que l'État peut générer l'argent sans mettre la main dans la caisse de l'État? Merci. Christian Kavassele, au moins, le gozo loba, est très, très important capital, parce que l'État doit devenir en mesure, il y a que ça, la mbongo. Ou les taux de Bengara Hassan, de Bengi, Libanais, la Moussousou, Abed Achou, Bounabou. Il faut l'État comment. Nazo pèse yo pendant 5 minutes pour expliquer. Mais son n'est l'État pour développer Mbongo. Mais n'aligne vraiment tout ça, moi, éclairage, tout éclaircir l'opinion par rapport à problème, il y a Zandou Oyo. Il faut peuple congolais parce que le message a été passé. Internet, il y a 5e pouvoir. Et qu'il y a lobby, et il y a une image de Mokonzazo et Sabatouke. Salam Kilinayo. Mais quel est le fond du problème? Le fond du problème, Isanine. Monsieur Hassan, 15 ans passés, il a signé un contrat avec le gouverneur Oyo Yakala. Yako Tonga ba boutique. Nakati, ba boutique naye. Nakati ya Wenze. Na lingi vraiment bala gibana ya Kinshasa et ba internet de partout le monde pour comprendre ce qui se passe effectivement, le conflit qui se trouve nakati ya Makamwazando. Ba signé contrat na Mundele Hassan pour asala ba boutique na nakati ya Zando. Contrepartie na mweza la dans le contrat, il faut assainir le marché. Asala ba toilette, ba parking, ba nzela ba entrée ba sortie, donc voilà, à embellir le marché. Ce contrat était pendant 25 ans. Après, avec Kimbuta a quitté ses 20 ans netozo ba boue, et c'est ça les 15 ans de contrat wana et tigaligara 5 ans pour contrat ici là. Siko Hassan a tongi 104 magasins. Christian Kabassela tayo moko vraiment beau kanabiso a tongi 104 magasins. Mais 104 magasins, il y a moins cher. Pour les autres, 5 000 $, 4 000, 3 000, il y a moins cher, les autres, 2 000. Donc, quel cas, on a 2 000 $ par magasin. Fois 104 et salibiso, 208 000 $. Saisissez-moi bien. Hassan Azouara, 208 000 $ par mois, dans 104 magasins. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, na Anemoko Azouara, 2 496 000 $. Et na 15 ans où Asali a eu 37 millions de $, 440 000. Est-ce que vous comprenez? Mais soyez si botali na wenzi wana tocha image ndenge bana Congo bazo olela image ezo la kisake. Oui, attaque toilette moko ya $200 na wenzi asana salati. Alors le gouverneur se dit il a 5 ans. Aye, na souci ya ro servir Mboka et Kinshasa par rapport à la promesse à Salé bana Kinshasa. Ce contrat est un productif pour la caisse de l'État. À mon ézanine, 15 ans à respecter par le contrat n'a été. Il faut contrat en katana. Parce que pour y a ça, la moussala a servi propre quoi. Il faut que Batouba comprendre. Parce qu'une sale image est en train d'être lancée par rapport à, et pas à gouverneur de la ville. Mais s'il te plaît, papa. Mais voyons un peu. On voit le gouverneur qui réclame que André Kumbuta est arrivé, il a bouffé 60 millions de dollars avant son départ. Il a pris encore 14 millions quelque part. Il a laissé un creux, un vide, nakati ya kesi ya gouvernorat. Tu comprends un peu? Alors,
En tant qu'homme sage, ça c'est un intérêt, franchement. Quand on donne un marché à qui que ce soit, c'est de l'argent. Mais je me dis, mais en tant que gouvernorat, est-ce que la première des choses, c'est aller s'acharner à des contrats improductifs ou à rechercher comment générer l'argent, faire une autre façon de faire l'argent pour que le gouvernorat, dans l'entretemps, essaye de se ressourcer pour continuer l'activité. Moi, je pense que les deux voies sont importantes quand même. On trouve plus que le gouverneur s'acharne plus dans les marchés que dans autre formule pour donner la chance à cette mairie de générer l'argent. Moi, aujourd'hui, je me dis, pourquoi nous demandons à ce que nos dirigeants soient des humains, de spécimens rares? Simplement parce que quand on vous nomme, ce n'est pas parce que vous avez un gros nom ou un grand nom, vous êtes grand. C'est simplement parce que vous avez la capacité ou les facultés d'avoir une vision d'avance dans les choses, sur les choses. Donc je me dis, c'est une erreur d'aller s'acharner sur un marché. Oui, on peut rompre le marché. Il y a des négociations à faire pour que ça ne découle pas aux yeux ou devant le public. Vous comprenez un peu? Donc c'est déjà une erreur très grave. Et moi, je me dis qu'il y a aussi mille et une façons de faire encore un peu plus d'argent d'une autre façon. Justement, là, quand il y a centre d'études, il y a gouvernorat. Donc, il y a un manque de communication, il y a un manque de stratégie et on est focalisé aux choses que nous faisons tous les jours. Tu comprends un peu? Donc, voilà un débat. On doit enlever le marché chez quoi, Jamal? On doit donner je ne sais pas à qui. Ben, ce sont les mêmes conflits qu'on a toujours eu à Kinshasa. Il n'y a rien de nouveau. Voilà parce que je voulais rajouter juste parce que j'ai vu que tu étais plus au pôle nord et si tu peux me permettre de descendre au pôle sud pour créer l'équilibre. Voilà. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je disais donc que et c'est ça la priorité. Il y a gouverneur et Zali que parce que ce marché, Talambong et Belewana Oezo Okende, sans pour autant Libanais Obabengi Hassan Azongisa Oesengeli dans la ville de Kinshasa. Leloyo, la banque nyonso ya Congo et koki ko pesa mbongo te ndenge Christian Kabasele oti ko loba hein et koki ko pesa mbongo te na hôtel de ville. Pourquoi? Parce que le prédécesseur ya ozalaki mokonzi ya hôtel de ville o ya uti ko tika biso atiki nyongo munene ya près de 61 millions hein ce to landi ba dire ya yemoko gentiningo bilandenga lobaki le pauvre monsieur il a les bras. Il y a quoi quand aboye? Azoe bate source incam ekota wapi source yambongo ekota wapi po aye bakotia machine na ye ya Kinshasa bopeto en marche. Mbongo mwanzo mbongo na banque ezate ngobilambaka. Mwanzoa ba benga ngoni ni ba rétrocession ezo yate il faut goûter pas ya gouvernement central ezo yate. Ba marché ba contrat o ya kuti selé. Marché botara mbongo to tso mona ndenge asana zozoa par année na 15 ans 8 37 millions. Ozomona siko yonde na koyi kozongisa malobe pa na yo po tomoni awa ndenge gouvernement ezali bloqué na lingi na CP de bana ba interlocuteur ba zayo landa biso ba comprendre où est le problème parce que ba to zali ko diaboliser le gouverneur mais il faut qu'on comprendre to fanda kimia to comprendre c'est où le problème se pose. Bon. Contrat wana c'est un contrat pourri oyo. Il y a un gouverneur à Zorolobaki. Il faut même pas tous les cas. En tout cas, même ba cours et tribunaux, la mission R pour l'intérêt de la nation. Un Libanais qui vient, tout le monde y a Jamal va passer contrat à Tindimbongo la Liban. Hassan, 37 millions, plus de transport, là, il y a une location. Ce total, il y a une taxe, il y a c'est beaucoup d'argent qui s'échappe dans la caisse à l'État. Mais, Sugar, il y a un business illégal à la Congo. Au lobby Jamal a qu'un 37 millions ali envoyé mon côté. Jamal va taxer na 57 millions. Oyebi que Jamal ali envoyé mon côté. Donc il y a toujours 1 ou 3 4 5 6 congolais derrière toute cette magouille. Bon moi triste je dirais ceci. D'accord. Je préfère le plus qu'on aille du côté de l'innovation, du côté de la révolution. Tu comprends parce que je me dis tout ça sont des débats qui ne riment à rien. Vous comprenez un peu? On va voir deux puissances qui vont essayer de s'entrebattre, de se donner des coups et la population ne gagnera absolument rien. Moi, je me dis, tu as cité ici Kin Bopeto. Je me dis, bon, écoutez, le gouverneur est là, le conflit qu'il a mené au centre là, on n'a absolument rien ajouté jusque-là, le marché est là, fixe, rien n'est fait, vous comprenez un peu. Donc, le gouverneur perd, les citoyens congolais perdent, et les recettes aussi en perte, vous comprenez un peu. Et la petite et moyenne entreprise qui pouvait soutenir cette économie déjà en fracas est aussi en perte, vous comprenez un peu. Donc,
l'activité que mène le gouverneur en ce moment ne bénéficie absolument à rien, à qui que ce soit. Que ce soit à lui en tant que le papa de Kinshasa, à nous, les Congolais, et même à l'État qui a besoin de récupérer les recettes. Quelles que soient les difficultés que nous connaissons durant le Covid, c'est-à-dire il y a baisse dans la recette, dans la récolte des revenus. Tu comprends là? Mais on ne veut pas dire que tout est mort complètement. Nous avons vu en Europe beaucoup de compagnies ont fermé. Mais est-il qu'il y a quelques points qui sont en train de récupérer l'argent? Donc moi, je peux faire plus, si tu me permets, qu'on aborde les sujets qui vont améliorer cette façon du gouverneur, de ses agents et de ses conseillers de faire les choses. Comment autrement générer cette proposition, l'argent? Monsieur Christian Caracelle. Parce que moi je me dis que cette démarche là, il y a vos cartes, bah contrat néanmoins, bah contrat vide et bidon, ou ils a un détriment, il y a l'État congolais. Ezape, c'est une très bonne démarche à faire, mais entre-temps, na contrepoids, n'engayo lobby, il faut aussi qu'on générer de l'argent na mupandi. Quelles sont les propositions au Christian Kabassé le groupe Sabiso Alelo, n'engayo tozakuna Mbongo, il y a l'État et Kangami, gentil azo bundela ngokuna po ebima. Et là, on y a gros ça là, attendant. On peut un passage bientôt parce qu'il faut expliquer que Gentil Ngobila a lancé un programme Mobimato Bengi. C'est un programme, c'est tout un programme. Ce n'est pas un slogan. Kinbopeto, c'est un programme. Donc, moi, je vois Kinbopeto comme une institution. Je vois Kinbopeto comme tout un mécanisme. Tu comprends? Mais je ne vois pas Kinbopeto qui se limite à une sensibilisation que je dirais inefficace. Et donc voilà, donc c'est à toi de me faire le bon passage pour m'en expliquer, parce que là, on sort du marché. Et si Kinbopeto déjà peut être une institution qui va gérer et le marché et le mécanisme, même il y a côté de l'État. Ce que je peux dire, Reza, que Kinshasa Bopeto, que je connais bien d'ailleurs, Kinshasa Bopeto, c'est le cheval de bataille même. Il y a quinquennat Oyo, il y a son excellence M. Gentil Ngo Bilambaka. Espoir Makambo va voter Gentil Ngo Bilambaka Banakin va voter Ezali par rapport il y a Kinshasa Bopeto programme na yewana ndenga lobi a relatisa Kinshasa lisusu robe il y a kitoko ndeto zala ko benga jadis Kinshasa la belle. Hein, dans le cadre non, je dis tout de suite non Shuga, parce que le gouverneur nous amène dans un débat qui n'est pas significatif de Kinbopeto. Il nous amène dans un débat qui est tout autre. Et pourtant, Kinbopeto, c'est une machine. Comme je le dis, Kinbopeto, c'est une institution. Ce n'est pas un slogan creux qui visite les villes pour expliquer aux gens comment est-ce qu'il faut jeter les papiers dans les poubelles. Tu comprends un peu? Comment est-ce qu'il faut faire X et Y? C'est connu de tous. Comme je dis, nous voyons ici en Angleterre, nous avons l'éducation et nous avons la technologie qui accompagne l'éducation. Pour que le professeur te donne un très bon cours, il doit avoir le matériel adéquat pour performer cours. C'est justement, si tu veux m'apprendre à ne pas jeter les papiers dans la rue, mais il faut me mettre des poubelles à côté, tu comprends? Mais pour comprendre que voilà, il y a l'éducation et il y a justement la technologie qui accompagne cette éducation à côté. Je me dis comme par exemple, pourquoi moi j'insiste sur cette nouvelle façon de faire les choses, comment est-ce que l'État doit générer l'argent? Tu comprends un peu? Donc on ne peut pas être là tous là. J'ai donné le cas des Barrow ici en Angleterre, les mairies de l'Angleterre. Mais l'État ne les finance qu'à 30 ou 40%. Le reste, l'État, les Barrow, les mairies doivent... Ma commune doivent générer comprennent. L'argent eux-mêmes. Tu comprends un peu? Donc entre autres, je me dis aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi je m'insurge contre? Simplement parce que je me dis... Kinshasa, dans le cadre de Kinbopeto, parce que jusque-là, vous ne faites que sensibiliser les gens, parce que je t'ai entendu dire que tu t'y connais très bien, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen, partant de Kinbopeto, que cette machine génère de l'emploi et génère des cash? Dans quel sens? Nous avons notamment toute la ville de Kinshasa qui est inondée des plastiques, des déchets plastiques. Nous avons toute la ville de Kinshasa qui est inondée de déchets papier. Nous avons des déchets sachets, tu comprends un peu? Mais c'est de l'argent. Nous avons vu, si tu as pu visiter outre pays d'Afrique, tu comprends un peu? Les déchets plastiques sont, quand on les recycle, le recyclage, quand on les recycle, ça crée de l'emploi, même 250 emplois, hein? Et par secteur. Tu t'imagines un peu si le gouverneur, par le canal du recyclage, pouvant employer
250 femmes congolaises qui n'ont pas de revenus à aller travailler là-bas et gagner leur, leur pain. Tu ne trouves pas que c'est encore plus beau que nous amener dans un conflit d'intérêts de marché? Tu comprends un peu? Je me dis aujourd'hui, nous avons Kinshasa dans le cadre même du recyclage. Mais Kinshasa est inondé du... comment vous appelez ça? L'or vert. Hein? L'or vert. Parce qu'on a l'or noir, c'est le pétrole... Excusez-moi les amis, l'or je vert, te laisse expliquer ce sont nos déchets fécaux. C'est-à-dire, pour vous faciliter la tâche, le caca. Mm. Vous comprenez un peu? Mais le caca, c'est de l'argent. Mais Jantina, Rochamisouna, un contrat. Mais il y a du caca, c'est de l'argent. C'est autant de millions. Oh, Yazola n'est pas Azola n'a pas un contrat. Mais il y a le caca à côté, c'est de l'or vert. Dans quel sens? Le caca génère beaucoup d'engrais chimiques. Hein? Il y a des produits qu'on vend au Kenya. Et ceux qui ont des goûts, ils ont généré engrais chimiques. Nous avons le caca qui génère le gaz. Pour tout éviter, parce que nous voulons un environnement I. I pour dire un environnement écologique. Mm. Mais, Toroki, au lieu de katakaba bois pour faire du charbon, tout le caca que nous avons au Congo, hein, ce sont des tonnes et des tonnes. Vous comprenez un peu? Donc ça génère du gaz. Justement, tout ce petit système, nous avons au Congo, il y a bloco. Mais nous avons un centre, il y a épuration. Comprenez? Un centre, ils ont épuré Babilo, qu'on a pas. Et ça, là, gaz, on est produire électricité pour produire gaz méthane. Parce que, attendez les amis, le caca, c'est le méthane. Hein, c'est le méthane, c'est du gaz, vous comprenez un peu. Courant. Ils sont produits courants. Juste pour enrichir l'idée, na YouTube, il y a une dame qui est revenue, je ne sais pas si on parle de la même personne, il y a une dame qui est revenue de l'Europe, na moi technologie, wana, elle est venue investir dans Mbokanaye, elles ont récupéré tous les caca, en tout cas permettez-nous de dire ça, parce qu'il faut qu'on soit vraiment... Clair dans nos dires. Bazo récupérer ni aïnionso. Après, bien sûr, transformation. Ezo qu'on alimenté électricité. Ba minda ya balaba les opéla. 3000 km de lumière. Bosolo kaba minda l'anzela. Et opéla minda. Voilà. Bosolo kaba gaz à Olambele. Opéla gaz à Olambele là. À partir, il y a caca au Christian Kabassé. Le Orosala. Ngaïchou Gana Orosala. La ville peut s'en servir pour alimenter de l'électricité. Absolument. Voilà. Ça sonne fou, mais ce sont les réalités du monde moderne. Vous comprenez? Nien, mes amis, le nien. Mais c'est de l'or vert, s'il vous plaît, les amis. Mais voilà, bah, place au Seigneur et puis avec pas beaucoup d'argent. Hein, vous comprenez un peu? Nous cherchons des millions pour bloquer tout le monde et pourtant, avec un 100 000 dollars. Un 200 000 dollars, il y a moyen de créer déjà cette usine et commencer à récupérer tous les déchets de manière très régulière pour y produire courant. On peut avoir des lumières dans les quartiers, on peut avoir les gaz pour préparer et ça va essayer un peu de réduire pour faire du charbon. Avant de continuer, Christian Kabassele, parce que je me dis que le gouverneur son excellence Akangami Kaka la sensibilisation. Je crois que il faut une éducation. Il faut le peuple congolais à être dans le libertinage, hein, à woumeli dans le libertinage, à woumeli dans le n'importe quoi. Il faut une certaine rééducation pour nous zongisa les Kinois, les Kinoises et la population congolaise en général. Et pour ça, d'ailleurs, Nalingi, je veux profiter ici pour jeter des éloges au coordonnateur adjoint et Kinshasa Bopeto, à la personne de M. Sido Kassanda, SKO Azaliko, qui s'est coupé en mille morceaux pour un mec à côté, parce qu'il n'a pas les moyens. Normalement, il y a un gouverneur il faut au gouverneur appeler ma coquille. Appeler les moyens financiers pour éduquer la masse. Mettre en place une structure, enfin des mécanismes pour éduquer le peuple congolais. Que penses-tu d'un professeur qui a un tableau mais qui n'a pas de craie? Que penses-tu d'un professeur qui doit aller sur Google et n'a pas d'internet? Improductif. C'est là où je dis absolument que l'éducation, c'est si beau, si bien d'éduquer la masse, de renseigner la masse, d'informer la masse.
Mais quand il n'y a pas les moyens pour soutenir, pour accompagner cette éducation, nous avons fait un tour du monde dans le vide. Vous comprenez un peu? C'est ça mon souci, tu comprends? Très je d'accord. dis, nous devons accompagner les choses. Comme par exemple, nous avons un souci à Kinshasa. Faudrait-il 100 camions pour Kinshasa pour commencer à évacuer ne fût-ce que les grandes poubelles? Non, on a peut-être besoin de 20 camions et peut-être 6 tracteurs, vous comprenez un peu? Pour ne fût-ce que commencer à dégager toutes les grandes poubelles de la ville de Kinshasa. Est-ce sont les choses faites aujourd'hui à Kinshasa? Parce que moi, je suis là, je me dis, ramenons la nouvelle intelligence. Nous ne critiquons pas, mais nous voulons que la pensée ou la vision ou nos regards soient dirigés vers l'innovation, vers l'autonomie. Vous comprenez un peu? Donc, on ne peut pas seulement attendre qu'il y ait un marché pour qu'on retire quelques millions, mais on peut aussi générer l'argent. Vous comprenez un peu? Tu as dit aussi, le coordonnateur adjoint Sido Kassanda, il y a le diamant vert, il y a du caca pour tout le monde pour faire de l'argent. Le caca ben, j'espère bien que le la caca coordination est là. Azorolanda Christian Kabassé, le gouverneur de la ville, Azorolanda Christian Kabassé. Les plastiques sont là, les plastiques sont importés vers l'Europe, l'Hollande, l'Allemagne. Ça se vend, c'est de l'argent, vous comprenez un le peu. Caca. Le caca, c'est pour nous-mêmes, vous comprenez un peu. Mais le plastique dur, le plastique, c'est importé en Hollande, dans tout. Mais on n'a pas besoin, d'importer. Justement, donc, on dire, va revenir. Si nous recherchons l'argent, c'est pour dire que si on a la capacité déjà d'importer nos recyclages de plastique, c'est du cash. Ouais. Mais on peut aussi, justement, aider les industries locaux les industries locales à, justement, créer les plastiques sur place. Et ça... c'est justement le Kimbo Peto. Nous allons tous avoir peut-être, vous débattez Kakaba arachide sur des papiers. On peut avoir maintenant les arachides sur des petites boîtes plastiques, tu comprends un peu? C'est encore plus propre. Donc, il y a moyen de faire l'argent à Kinshasa au lieu tout le temps d'attendre. Merci que Christian Kabassé. L'État, juste pour enrichir, très chers téléspectateurs, on a enrichi Makambu. Ma proposition à qui toko au Christian Kabassé, les Azoropé Sabiso Awa, n'a ni bolan d'éléments au yo. Ils en ont moins trait à voir avec le procès Kamer et autres au Rota, là-bas, Pessi, Mbongwe, Bélé, M. Jamal Poye, Labiso, Bandaku, préfabriqué, Oyo, Nani, Bama Baya, Wano, Basale, Larango, Mpoukwa, Rigo, Liango, après un an, Niyama, Babinte, quoi, autres avant la Gishasa, Liango, et Babébissi, Bandaku, Wana, et puis voilà. Mais voilà, à partir de la plastique, Et il y a moyen de le... Donc, ça veut dire que quand nous parlons Kimbo Peto, je dis ceci, Kimbo Peto, pour moi, c'est toute une institution. Tu comprends un peu? Elle ne peut pas se limiter seulement à la campagne de sensibilisation. C'est de l'argent, c'est une institution qui va générer le travail. Après cet élément, Christian Kabassé, qui va générer les salaires, les plastiques, c'est de l'argent. C'est de l'or. Beaucoup d'argent. Merci. Suivant cet élément, total, à Nenenini, Bambo Kamoussousou, ils arrivent à transformer bah plastique, sachet... Bazo sale lango bandaku ndaku oyo ba pesi mbongo belé na Jamal na partir ba sachet. Donc on peut produire des faire des construire des maisons et en même temps ko sukola environnement il y a ville il y a Kinshasa, non seulement ville de Kinshasa mais sur toute l'étendue de la on République peut faire des bancs. Voilà donc voilà bon total élément oyo j'espère que émission oyo eko komela na yebi ke komela déjà monsieur Sido Kassanda coordinateur il y a adjoint il y a Kinshasa Bopeto et puis eko komela lisusu le gouverneur à travers monsieur Sido Kassanda na équipe nyoso il y a Kinshasa Bopeto suivant cet élément. Merci. Pour connaître toute l'actualité de la ville, du gouvernorat de Kinshasa, abonnez-vous à notre chaîne. Pour recevoir les notifications de toutes nos vidéos mises en ligne, appuyez sur la petite cloche à droite. Les longues périodes de biodégradation de plastique et insumos renouvelables en la fabrication d'éléments traditionnels de construction. El problema del déficit, la falta de vivienda en comunidades vulnerables o que por desplazamientos forzados, por violencia acá en Colombia o por desastres naturales, por mil razones tenga la gente que moverse de su sitio, entendiendo todos los problemas en un mismo conjunto y en una misma solución. Enmarcado en un modelo de negocio, pudiéramos solucionar todo esto de una manera positiva donde se impacta económica, ambiental y socialmente a una comunidad. Pienso que el siguiente sueño es hacer de esto algo más grande.
sea, ya hemos tenido muchas felicidades y muchas anécdotas bonitas, pero finalmente queremos que esto llegue a más y más gente. Entonces el siguiente escalón en ese sueño es poder multiplicar esto. Creo que pues tengo tres principales palabras: pasión, persistencia y resistencia. Si quieren emprender algún modelo de negocio para ayudar a comunidades, para ayudar a la sociedad, es importante que busquen qué pasión y qué energía les llega a ustedes desde el corazón para poder llegar a estas comunidades. Tener mucha persistencia, porque no es fácil, el camino no es fácil, es un camino largo y de muchas barreras, pero tienen que seguir y seguir y seguir insistiendo para que lo logremos o lo logren en algún momento. Los largos periodos de biodegradación de plástico e insumos renovables en la fabricación de elementos tradicionales de construcción. El problema del déficit, la falta de vivienda en comunidades vulnerables o que por desplazamientos forzados, por violencia acá en Colombia o por desastres naturales, por mil razones tenga la gente que moverse. Voilà, très chers téléspectateurs, cet élément, je crois qu'on a sélectionné élément il y a on n'a pas sélectionné le bon élément. Mais voilà, la prochaine, parce que l'autre émission, tout ça, à deux volets, avec M. Christian Kabasele, tout ça, à deux volets. Donc, tout ça, l'issue, ce poteau, quand on a technicité, vraiment, oyo, ville à Kinshasa, au Sénat, Christian Kabasele, à lobby, il faut passer, oui, c'est bel et, c'est bien bon de sensibiliser, n'est-ce pas, Sidoka Sanda, et sans oublier, coordonnateur, Germain Pundu, bazo sala musala kitoko kokota na ba communion soko yebi sabato ko tangi sabato ko eduke bango neni ni fo ba sala na ba bo sotona oyo population ezo ko créer. Mais voilà, élément autre to la Sabino. Ezo la sala mboka eza na Brésil, compagnie oyo ezo zo ba sachet, ba milangi, makamnyos bazo sala nango ba brique, ba lambi yango ekomi li banga. Ba tongeli yango ba ndaku. Moi, je pense que ce sont des histoires comme ça pour justement enrichir ce que Christian Kabasele venait de dire. Babilo quoi boyer et aussi lisa en même temps, parce que Mutawokoma a kangisi moi 2 kilos babi va te payer 2000 francs. Le Congolais va se prendre en charge. Azui basalité wana a qui côté quand l'hôtel de ville azui moi 2000 francs naie et l'hôtel de ville transforme bani nyana en brique pour nous ça là bandaku to bandi cité moko. Côté les Kantse et les Kuna. Tu bandis une autre cité côté Kuna. Il y a Banda Kwandengwala. Ce sont des briques fortes, bah, matériel durable, plus de 100 ans. Et Koko Sala. Et que l'embate na Moya Kishasa, c'est des matériaux. En tout cas, je vous promets que dans l'émission Oyo, Toro Sala, la semaine prochaine, je vais ramener des éléments. Bon, on a vraiment comment la transformation de ce matériel, il y a bah, sachez Toro Sala. Christian Kabasele. Quelque chose non, à dire par rapport à... Justement, tu as parlé des maisons, je parlerai des bancs, je parlerai des sièges, au lieu d'aller couper le bois, on peut avoir des bancs en plastique. C'est vraiment toute une compagnie, une très grande compagnie, le recyclage. Ils allaient que fait ça là, le point central, même il y a Kinbo Peto, parce que ceux qui ont une capacité à recycler Babilo Kouana, et puis tu sais, moi, concours Moko, il y a achat à Babilo Kouana, pour moi, que Kinshasa, ma plastique érotique à la Ralisou Souté. C'est fait ailleurs, on n'est pas en train d'inventer la roue ici. Mboka Moussou, c'est sali en gros, bat bazouan à Bakilo, n'a pas de plastique. Bah fouti bah moi quelques fois à Mike wana bah déposer bah plastique bah recycler yango au moins que mboke comme ko komba ma bah sachet wana bah sachet to bois kaka on fait avec des sacs très durables, vous comprenez un peu, et voilà, to changer façon na biso, nous voulons une ville e-environment, qui veut dire que biloko wana sont eux que la recyclant au poto zala to réutiliser yango pour le besoin à la communauté. Donc j'estime que il y a beaucoup à gagner dans le recyclage, il y a beaucoup à gagner dans
le recyclage même, il y a or, vert, on a la bengue, le caca. Mm. Donc voilà, tout ça là-bas, richesse, et on s'est rendu dans le Congo. Vraiment, tu as la beauté, la quantité, il y a la niaise, et ça, la gâte, c'est la Congo. C'est du gaz méthane pour les engrais chimiques, pour l'électricité et le gaz à préparer avec. C'est les engrais chimiques pour les plantations, on comprend. Donc, outre ciel, Barozo Makambo to loba wa lokola li sekité. Bako lié sa population madesu, bako lié sa population fumwa parce que bazana besoin ya kaka ya niai ya population pour égénérer. To zo mona ngolo bwa ba jeu. Mais ezo makambo so électricité zo pesa. Bako lié sa exiger ba tout mais il faut se marrer 7 fois par jour. Voilà. Parce que ça, la matière première. Et ça, le gouvernement, et ça, la bilanga ya madesu, na bandundu, et ça, la bilanga madesu, na pilipili. Parce que les gens doivent. Parce que les boumoufou bima. Parce que c'est du courant, c'est du gaz méthane. Voilà. Merci, très chers téléspectateurs. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission de ce soir, d'aujourd'hui. J'espère que vous avez saisi les petits points que nous avons voulu rapporter ici pour éclaircir l'opinion, non seulement éclaircir, mais aussi proposer, justement, comme M. Christian Cavassé venait de le faire, avec la matière caca et aussi avec la matière sachets et plastique, comment en faire une nécessité, comment en faire quelque chose de... Non, c'est une industrie, ça va... Comment industrialiser, justement. Il y a de l'emploi dedans. Il y a de l'emploi. Il y a des taxes à payer à l'État, il y a des salaires. Donc, les gens gagnent leur vie dedans. Voilà. Ouais. Merci. Christian Vassé, pour boucler cette émission, en dernier mot, par rapport, un petit résumé, par rapport à Zandu, et cette petite confusion qui se fait est aussi dans ce que tu as proposé. Non, et puis le grand marché, c'est un conflit d'intérêts tout à fait, mais si vraiment la cause est celle même de faire un grand marché qui va mettre tout le monde à l'aise et moderniser un peu ce coin là, on ne dira pas nous en tant que populace ou en tant que peuple, mais j'estime qu'il faut aller un peu plus vite parce qu'il y a un gros manque à gagner, dans le sens même il y a l'État, dans le sens il y a peuple, parce que voilà, même la petite et moyenne entreprise, il y a Congo, ce sont tous ces petits commerçants là que vous voyez là, c'est Yango, des machines Yango, et autant ça Congo, parce que le reste des affaires sont saisies par les étrangers, vous comprenez un peu, donc les seules affaires qui appartiennent au Congo, c'est le Zando là, donc il faut vraiment faire vite pour aider les Congolais à survivre. Je disais ici que nous voulons ramener, nous voulons une cité I, environnement I, c'est-à-dire qu'un environnement écologique, c'est-à-dire que quand nous parlons de Kinbopeto, moi je vois plus l'innovation, la révolution, je vois plus l'énergie basée sur le recyclage, je vois un recyclage comme une institution, comme une grande compagnie, vous comprenez un peu, donc je vois que là, le gouverneur fera des bonnes choses dans le sens où il y aura de l'emploi, il y aura des mamans, parce qu'on a vu dans les autres pays, ce sont les mamans qui travaillent dedans, 250, 300, voilà, vous créez de l'emploi, vous générez du cash et vous récupérez aussi, parce que cette matière va un peu plus loin. Je vais terminer ici par le gaz. Nous avons besoin d'éviter de couper les arbres parce que voilà, nous avons un problème écologique. Vous avez les déchets fécaux, les déchets fécaux qu'on a dit, c'est de l'or vert. Retenez ce que je viens de dire aujourd'hui, de l'or vert, le caca, qui va servir d'engrais chimique et en même temps qui va servir pour produire le gaz et l'électricité. Donc, nous avons vraiment beaucoup d'énergie à côté. C'est par le bail que diamant est obligé d'aller au Congo. Tu vas te sopana kun. Et il n'est pas capable de nous arrêter, mais diamant est quoi? Voilà, merci très chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Là, je vois, je passe mes salutations. Merci d'avoir été là, Monsieur Jacques Kanangwe, Monsieur Mayasi Blaise, Ikern Kudinga, merci Arlette Mushika, merci Bob Tambwe, Skolandombe, merci Huguette Kasongo, Joe Luemba, Trésor Image, merci à vous tous. Vous êtes belés, je ne saurais citer Moutinho sur l'Andibiso. Merci d'avoir été, d'avoir contribué de votre participation à l'émission OYO. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une dernière, pour la suite et fin. Il y a OYO Tukolo Bela Lelo.
Et parce que vraiment, il y a beaucoup à dire. Parce qu'il faut, Christian Kabasé, la lobby, il faut des innovations. Le gouverneur Gentil Ngobila a assez prouvé, à travers la coordination qui chasse à Bopeto avec Sido Kassanda, coordonnateur adjoint, et Germain Poundou, le coordonnateur titulaire, prouvé déjà dans le cadre de la sensibilisation. Moi, je crois que un an et l'équipe, il faut maintenant entrer dans les palpables et dans la production éco-générée, Mbongo, éco vraiment, cette fois-ci, effectivement, tout le monde a vraiment que salité, ils ont aussi là, et c'est faisable. C'est faisable d'avoir camion dans chaque commune, il y a nettoyage, sweepers, grandes haltères. C'est faisable. C'est faisable. On va en parler la semaine prochaine au micro de Sugar Mungulu avec, bien sûr, M. Christian Kabasele, à qui j'ai dit déjà au revoir. Au revoir à tous. Voilà. Très chers téléspectateurs, restez branchés, partagez l'émission. C'est de cette manière que vous allez nous soutenir. Poété, message Nabisso, Bémission Nabisso et Bakotalama partout. Voilà. Merci. Connectez-vous nombreux. Ma Congo Synthèse, parce que c'est ici que ça se passe. Et je vous dis au revoir. Soya Yablo. Kini Bopeto, Kinshasa Bopeto. Kini Bopeto, Kinshasa Bopeto. Kini Bopeto, Kinshasa Bopeto. Kini Bopeto, Kinshasa Bopeto. Jean-Paul Moucheni, Freddy Bonzeke, Inonari Tabola, Boyoka. Gouverneur Ngobila Lobie, Antana Moto Abongisa Epaya. Pour faire face au surcoût que nous rencontrons en Europe, Batoussol a mis sur pied un service de crédit dans le domaine des interventions médicales. Pour permettre aux patients résidant à Kinshasa d'avoir recours aux actes médicaux de bonne qualité sans être freinés par l'obstacle financier. Batoussol, votre partenaire médical. Téléphone 0044 74 05 42 65 99. WhatsApp 0044 77 75 32 54 24. À très bientôt avec Batoussol.